Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr, pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Ce dimanche 2 octobre 2022, se tiendra la 61e édition de la cérémonie de clôture de la saison sportive couplée à la finale de la Coupe du Cameroun de football 2022. Cette finale va opposer Bambuto de Mbouda et Coton Sport de Garoua au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Le programme de l'événement était rendu public. La Fédération camerounaise de football a été snobée, et Samuel Eto'o humilié. Il est d'ailleurs le grand absent dans ce programme rendu public, et dont la rédaction de Cameroun Web a copié. Stade Omnisport Amadou Ahidjo, Yaoundé, dimanche, le 02 octobre 2022-14h. 12h30, 11h, ouverture du stade et mise en place des populations, 12h. Arrivée des invités et des responsables du mouvement sportif national, arrivée des responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique, arrivée des autorités administratives et municipales. 12h30, animation culturelle populaire liminaire par des artistes des différentes aires culturelles du Cameroun. Arrivée du gouverneur de la région du centre et des invités spéciaux. 13h10, arrivée des membres du corps diplomatique. 13h20, arrivée des membres du gouvernement. 13h30, entrée et mise en place des troupes armées en vue des honneurs militaires sous la musique des armées. 13h50, arrivée du procureur général près la Cour suprême, arrivée du premier président de la Cour suprême. 13h55, arrivée du président du Conseil constitutionnel, arrivée du président du Conseil économique et social. 14h05, arrivée du cortège du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République au stade Omnisport de Mfandena, accueil par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, délivrance du mot de bienvenue par une jeune fille et remise des bouquets, exécution de l'hymne national du Cameroun par la fanfare des armées, honneurs militaires et revue des troupes, salutation des corps constitués nationaux, mouvement sportif national. 14h15, départ du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République pour la loge présidentielle. 14h20, accueil et installation du représentant du président de la République. Retrait des autres FMO de l'aire de jeu sous la musique des armées. 14h30, début de la parade culturelle. 14h45, fin de la parade culturelle, tiré échauffement des équipes et retrait. 15h15, entrée des équipes et protocole d'avant-match. 15h30, coup d'envoi de la finale de Coupe du Cameroun 2021 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. 16h15, mi-temps tiré démonstration sportive en trois séquences de 0,5 minutes. Bodybuilding, plusieurs champions du monde, powerlifting, tir à la corde, déficient physique, aérodynamique, course en fauteuil roulant barre oblique 400 mètres. 16h30, reprise du match pour le compte de la seconde mi-temps. 17h15, fin du match, tiré remise des trophées au capitaine des clubs vainqueurs de Coupe du Cameroun des disciplines sportives civiles nationales autres que le football, édition 2022, tiré remise des médailles aux finalistes de football et du trophée au vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. Départ du représentant personnel du chef de l'État. Fin de la cérémonie. Restez dorénavant informés sur votre nouvelle chaîne YouTube camerounaise, ceci en vous abonnant bien sûr tout en activant la cloche de notification pour être toujours à la une de l'actualité. Merci.